J'espère que c'est en train de passer. Faites-moi signe si je suis en direct. Faites-moi signe si je suis en direct. Faites-moi signe si je suis en direct. Malbreu, bonjour, bienvenue sur le Baoba. Je sais que l'émotion est nègre, mais est-ce que vous pouvez activer vos émotions là pour une fois dans votre vie et partager la vidéo, s'il vous plaît? Je sais que l'émotion est nègre. Est-ce que vous pouvez utiliser vos émotions là et partager la vidéo? J'en ai même pas pour 15 minutes. Je n'en ai même pas pour 15 minutes. Est-ce que vous pouvez avoir cette émotion-là pour une fois? On dit que l'émotion est nègre. Vous savez sursauter quand l'information vient d'ailleurs. Ceux qui vous ont esclavagisé, ceux-là qui vous informent, comme si vous venez de savoir qu'on vendait vos frères aux enchères en Libye. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Vous partagez, vous ne partagez pas. De toute façon, j'ai un message à passer. Partagez la vidéo. Vous venez de réaliser que les Noirs souffraient. Vous venez de réaliser que depuis près d'un plus d'un an d'ailleurs, on vendait les noix aux enchères en Libye. Vous venez de réaliser que chaque jour que nous parlons, les noix meurent en Méditerranée. Vous venez de réaliser que chaque jour, les noix meurent de torture aux mains des dictateurs en Afrique. Vous venez de réaliser que Laurent Gbagbo, à l'heure où nous parlons, est détenu. Vous venez de réaliser que votre vie, que vous avez été, que vous êtes esclave à vie. Partagez la vidéo. Et on me parle d'un cercle de groupement de coins. Vous voulez aller marcher demain? Vous marchez demain pourquoi? Vous marchez devant l'ambassade de la Libye pourquoi? Partagez la vidéo avant que ça ne coupe, parce que ça peut encore couper, hein. Et ça coupe, je ne reviens plus, d'ailleurs. Ça coupe, je ne reviens plus. On dirait que vous méritez ce qui vous arrive. Il faudrait, bonjour André Renier, à 400 dollars, on s'offre un noir. 400 dollars, on s'offre un nègre. Il y a 500 ans de cela, c'était gratuit. Et certains Antillais pensent que les Africains sont bêtes, comme si la position antillaise était une position favori. Vous êtes contents d'être des citoyens de seconde zone. Je suis désolé, je ne suis pas d'humeur à décrocher, hein. Allez suivre, allez marcher demain. Vous venez tout juste de réaliser que vos frères souffrent en Libye. Vous venez de réaliser que vos frères souffrent au Maroc, dans la brousse. Vous venez de réaliser que l'Afrique, qu'il est temps qu'on se mette ensemble pour travailler. Vous parlez d'une marche demain. Une marche de quoi? Vous sortez d'un sommeil profond. Vous tombez d'une autre planète. Les stars africaines viennent de se réveiller. Et je vois, pour une vidéo de 5 minutes, les Samuel Eto'o, les Alpha Blondy sont en train de sortir. Vous venez de réaliser que l'Afrique va mal? C'est vrai que l'émotion est nègre. Mais cette émotion-là, c'est sans moi. Je suis une négresse éveillée. Vous venez de réaliser que chaque jour qui passe, les Noirs souffrent. Vous voulez organiser une marche demain contre l'esclavage. Et vous faites quoi des morts de Togo? Du Togo? Vous faites quoi des morts du Soudan Cameroun? Vous faites quoi des morts du Mali? Vous faites quoi des morts de Libreville? Vous faites quoi de l'insécurité montante en Afrique? Vous voulez aller marcher demain? Vous voulez aller marcher demain devant l'ambassade de la Libye? Vous organisez, j'ai appris que Kémi Séba et comment on l'appelle encore, Claudicia et les autres sont en train d'organiser une marche pour aller contre devant l'ambassade de la Libye. Vous venez de réaliser jusqu'où l'Afrique va mal. Vous allez marcher maintenant contre l'esclavage en Libye. Et vous allez faire quoi du Togo? Vous allez faire quoi de l'instabilité au Gabon? Vous ferez quoi?
de la dictature en Afrique persistante? Ça, c'est la question que je vous pose. Vous ferez quoi des Africains qui meurent en longueur de journée parce qu'ils traversent la mer? Vous ferez quoi des dictateurs qui tuent sans aucune impunité en Afrique? Vous voulez aller marcher demain devant la mairie, devant l'ambassade de la Libye parce qu'on vend les Noirs? Vous ne savez pas que la corruption fait plus de victimes que de l'esclavage? Vous ne savez pas que Biya fait 35 ans au pouvoir? Vous ne savez pas que Sassou Nguesso est en train de tuer au Congo? Vous ne savez pas que Kabila a tué en République démocratique du Congo? Vous venez de réaliser que l'Afrique, qu'il fallait qu'on se lève de façon unanime? L'émotion est nègre, mais mon émotion n'existe plus. Je refuse d'être émotive. J'oriente ma force. Je ne suis plus de ce groupe-là. Je suis désolé. Je suis pour un groupe, pour une action qui est suivie. On n'agit pas par émotion. On ne se lève pas parce que CNN a fait un documentaire, parce que France Inter a fait un documentaire, parce que France 2 a décidé de vous dire combien coûte un esclave. Vous ne pouvez pas vous renseigner vous-même? Vous êtes incapable de vous lever en tant qu'une communauté et vivre ensemble? Vous êtes incapable aujourd'hui en tant que noir? Vous suivez, on vous manipule. On vous dit qu'on vend un noir à $400 et il suffit que le message vienne encore des médias, des esclavagistes. Il suffit que ce soit France 2, CNN, Fox News qui informe une bande de cons, une bande de suiveurs, une bande de personnes très émotives. Je ne mets plus mon émotion là. Je préfère mettre mon émotion là où il y a des actes, des actions suivies. Un programme politique. On ne va pas chasser on va pas me demander d'aller demain marcher, le 18 marcher, pour essayer de dénoncer l'esclavage. C'est aujourd'hui que l'Afrique est occupée. Pour votre gouvernement, l'Afrique est occupée depuis. Nous sommes en deuil depuis. Nous mourons depuis. Que ce soit sur le continent qu'en Europe. Je ne partage pas cela. Et cette marche-là, c'est sans moi. Je ne fais pas partie. Je suis raciste et j'assume. Il y a Siti Meneng qui dit que toi tu es une raciste. Je suis raciste et j'assume. Et si je pouvais être même plus raciste que ça, ma colère aujourd'hui peut me permettre d'exploser le monde. Ce que mon peuple subit en longueur de journée peut me permettre au moins de porter de devenir une femme kamikaze. Dites-moi ce que vous avez suivi pour être des kamikazes. Dites-moi ce que votre race a suivi pour être aussi haineuse. L'Europe a été bâtie sur l'esclavage. L'Afrique du Sud, on a eu l'apartheid. Et aujourd'hui, Areva, Orange, Total, Bolloré, ils se font plein d'argent à cause de la soumission africaine, l'émotion africaine. Je refuse d'être une émotive. Je refuse ces émotions-là. Mettez votre politique là où se trouve votre bouche. Mettez votre politique là où se trouvent vos émotions. Arrêtez de sauter. Arrêtez d'être des papillons. J'ai un plan d'action, j'ai une ambition, j'ai une vision. Et j'ai un amour pour mon continent. Vous vous levez aujourd'hui parce qu'on vend, parce que CNN, France Inter, Canal Horizon ou Canal whatever you want to call it, ils ont décidé de vous dire. Et vous dites que vous n'êtes pas tous des petits blancs, des suiveurs. L'émotion n'est plus de mon côté. Il est pas temps que nous passons à l'action. Il y a plus de 2 mois de cela, il y avait une vidéo sur le Baobab où on a dénoncé toujours la passivité nègre. Vous venez aujourd'hui organiser. Vous venez aujourd'hui toujours sous le coup de l'émotion, organiser une marche devant l'ambassade de la Libye. Depuis que vous marchez, ça a changé quoi? Vous organisez la marche contre l'esclavage en Libye et vous permettez la tuerie à Lomé? Vous organisez la marche contre l'esclavage en Libye et vous permettez que Biya détruise le Southern Cameroun? Vous organisez une marche contre l'esclavage en Libye et vous permettez à Ali Bongo de vivre au Gabon? Vous organisez une marche demain à l'ambassade de la Libye pendant que Kabila est en train de tuer au Congo en RDC? Et vous parlez d'une union africaine? Vous appréciez Kagame? Kagame n'est pas assez noir? Patrice Talon n'est pas assez noir? Idriss Déby ne peut pas se lever? Vous êtes sérieux?
sérieux? Total nonsense. Dites-moi ce que fait Macky Sall. Dites-moi où se trouve les Alain Mabankou. Dites-moi où se trouve le professeur Gomez. Dites-moi où se trouve, comment on l'appelle encore, Jean-Philippe Omotunde. Alpha Blondy vient de découvrir qu'il était temps qu'on dénonce les abus des dictateurs. Vous sortez d'un sommeil profond ou quoi? Vous êtes devenu amnésique, des paralysés, des cobayes, des moutons, pas sous le baobab. Je parle depuis l'arbre de la sagesse. Je parle avec toute ma colère. Colère parce que mon Afrique souffre. Colère parce que vous êtes des suiveurs. Moi, je ne suis plus. L'Afrique a besoin des leaders. L'Afrique a besoin d'un projet politique, d'un projet social, de financement, d'encadrement. Une marche demain devant l'ambassade de la Libye. Pour aller leur dire quoi? Et attends la marche devant l'ambassade du Togo. À quand la marche pour dénoncer les tueries au Gabon? À quand la marche pour dénoncer la séparation du Mali? À quand la marche pour dénoncer l'occupation de l'Afrique et le pillage de l'Afrique par les multinationales? À quand la marche pour faire partir Biya? À quand la marche pour faire partir Idriss Déby? Total nonsense. Je ne suis même pas assez raciste.